Et coucou tout le monde, c'est Léa et Antoine pour Hello Supérette. Ouais. Bienvenue en 2018. Bonne année. Bonne année à tout le monde. Et la première vidéo de 2018 est une vidéo spéciale ultra débutant. On vous montre comment coudre un bouton. Alors pour coudre un bouton, il vous faudra un bon fil de qualité, une aiguille et la petite astuce, une petite allumette. Si vous n'avez pas de petite allumette, vous pouvez prendre un coton-tige, une épingle à cheveux. Et si vous avez d'autres idées pour remplacer l'allumette, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Alors pour commencer, on enfile le fil dans l'aiguille et on vient faire un petit nœud au bout. Alors pour faire un petit nœud, moi je fais un tour autour de mon doigt et ensuite je roule entre mes doigts et en tirant ça fait un petit nœud. Léa dit qu'on comprend rien quand je le montre, mais moi je trouve que c'est facile à comprendre. Avec notre fil et notre aiguille, on vient piquer sur l'endroit de notre tissu où on doit placer notre bouton. Et non, on pique pas sur l'envers, on pique sur l'endroit, en fait comme ça le bouton il viendra cacher notre petit nœud. Il n'y aura pas de nœud sur l'envers de notre tissu. Ensuite on vient placer notre petite allumette entre le bouton et le tissu. Et on vient repasser dans le bouton et repiquer dans le tissu, comme ça 3 ou 4 fois, dans les mêmes trous, et on essaye de piquer sous le bouton au même endroit dans le tissu. Au niveau des trous des boutons, vous pouvez soit choisir de croiser les fils, soit de les faire parallèles. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Une fois qu'on est passé 3 ou 4 fois dans les deux mêmes trous, on vient faire exactement la même chose dans les deux autres trous. Une fois qu'on est passé 3 ou 4 fois dans notre trou, on vient enrouler le fil autour de notre bouton et on vient faire un petit nœud sous le bouton. On fait deux petits nœuds, on coupe les fils qui dépassent et voilà, notre bouton est complètement fixé. Et là, vous vous demandez, mais à quoi sert cette allumette? En fait, on vient décoller légèrement le bouton du tissu pour pas que ce soit impossible à enfiler. Ça le décolle du tissu et ça le rend plus pratique à enfiler. Et comme on trouvait cette vidéo vachement courte, on a décidé de vous montrer une super astuce qui vous fera gagner environ 2 minutes sur la couture d'un bouton. C'est un abonné qui nous l'a dit pendant qu'on faisait un live Instagram. En fait, il suffit d'enfiler plusieurs fils dans la même aiguille, comme ça, ça nous fait plusieurs brins. On vient faire un nœud pour nouer tous ces brins ensemble. Et comme ça, en cousant le bouton, on aura besoin de passer moins de fois pour le coudre. Et c'est assez astucieux et en plus, ça rallonge notre vidéo, donc on voulait vous le montrer. Et voilà notre première vidéo de 2018, on espère que ce démarrage en douceur vous aura fait plaisir. Si vous avez manqué notre FAQ et que vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur nous, on vous laisse la vidéo juste ici. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser des petits commentaires et des petits likes parce que ça nous fait trop plaisir. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. 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 Toujours avoir le dernier mot. Oui.